Mais ce n'est pas vrai. Encore cette alarme? Il nous manque quoi encore? Ah, on n'a plus de pâte à tartiner? Ça devient grave. Il faut que je contacte le responsable sur Terre le plus vite possible. Allô? Allô, bonjour. Je suis l'astronaute Suzy, en direct de la Station Spatiale Internationale. Est-ce que c'est bien le centre de Toulouse? Oui. Je vous téléphone car nous avons un problème ici à la station. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous manque plein de choses. Il faudrait que vous nous fassiez un ravitaillement. Qu'est-ce que vous avez besoin? En fait, d'abord, on trouve que la station n'est pas très jolie. Elle est toute blanche. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Vous pouvez la repeindre. D'accord, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous avez comme couleur? J'ai du rouge, du rose, du bleu, du violet et du vert. Envoyez-nous du rouge et du rose alors. Il nous faudrait aussi du dentifrice, des chips, du sirop de grenadine et des bandes dessinées, s'il vous plaît. D'accord. Ah oui, j'allais oublier. Il nous faut de la pâte à tartiner pour nos petits déjeuners. Et envoyez-nous aussi des vêtements chauds parce qu'il commence à faire froid. Et de la crème solaire et des lunettes de soleil parce qu'ici, le soleil tape fort. Et puis, pour moi, je voudrais le dernier CD de EXO. D'accord. Merci. Comment allez-vous nous envoyer tout ça? Je vais construire des véhicules et je vais vous les apporter. Et dans combien de temps serons-nous livrés? Dans une heure. Dans une heure? Parfait. Alors, on vous attend à la Station Spatiale Internationale. Bon, faut qu'on fasse 5 vaisseaux en une heure pour la Station Internationale. Ça y est, les vaisseaux sont prêts. On peut les envoyer à la station internationale. Mission réussie. Nous avons bien reçu le ravitaillement. Merci. À la prochaine. À la station, il y a des enfants et je leur ai envoyé des doudous pour qu'ils passent de bonnes nuits.